Manuel Lozano, Monfreno, Emmanuel Pinto Queiroz Ruiz. Je suis né el 14 de abril de 1906 a Jerez de la Frontera. Ma mère, elle est morte quand j'avais à peine 5 ans. Elle est tombée malade. Y on n'a rien pu faire pour la soigner parce qu'on n'avait pas d'argent. Je me souviens seulement que peu avant de mourir, elle m'avait dit. Eh bien, cas de ton père, Manuel. Écoute-le toujours. Mon père était anarchiste, un très brave homme, très sérieux et très anticlérical. Il était garçon de café. Et à cette époque, il y avait beaucoup d'anarchistes en Andalousie. Dans mon village, les gens s'asseyaient devant les portes des maisons pour parler et discuter. Tout en pelant et mangeant des figues de barbarie. L'ambiance était très fraternelle. Malgré leur grande pauvreté, les gens s'entraidaient, toujours disposés à donner un coup de main. Il y avait beaucoup de luttes syndicales et très bien organisées. Moi, j'ai travaillé dans les vignes, ensuite dans une distillerie. Très jeune, je suis rentré au syndicat des ouvriers cavistes. Et dans les jeunesses libertaires. À cette époque, les gens se réunissaient pour publier des revues et des journaux, aller à des conférences, faire du théâtre. Ces gens y faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller à donner des cours et animer des discussions dans des fermes où se réunissaient les ouvriers agricoles après une rude journée de travail. Et tout ça, la lueur de mes chandelles. Moi, je savais lire et écrire. Et j'appartenais à un de ces groupes qui allaient donner des cours et commenter des textes des écrivains libertaires comme Anselmo Lorenzo. En 1906. Quand la guerre a éclaté, les bassins miniers se sont soulevés tout de suite. Et notre région était rapidement envahie par les franquistes. Mon frère aîné était dans les premiers à s'enrôler dans les troupes républicaines, comme la plupart des gens du village. Mon autre frère faisait son service militaire et n'avait pu quitter les camps nationalistes. Une fois, ils sont combattus l'un contre l'autre sans s'y apercevoir. Je suis resté à la maison avec mon père. Mais quand les phalangistes sont arrivés, mon père a été arrêté 2 ou 3 fois. Et quand il revenait, il avait les dents noires des coups qu'il avait donnés. La situation est devenue tellement horrible qu'on s'est organisé pour partir. Mon père m'a dit que je devais m'en aller et il m'a aidé à fuir. Il n'a pas voulu venir avec moi. Les franquistes l'ont fusillé peu après. Et d'après, devant mes oncles, il avait dit avant de mourir, « Moi, ils vont me fusiller, mais ils ne prendront jamais mon fils. » Et ils ne m'ont pas pris. J'étais très jeune, mais dans ces moments-là, vivant une telle tragédie, on grandit très vite. Je suis arrivé à Grenade. J'étais à Murcia. Almería. Y Alicante. Ah, Alicante. La prueba. La aduana, la pobre. Et de là, je suis parti à l'Afrique du Nord.
sur un bateau de pêche appelé la Joven María. Il nous a mené jusqu'en Algérie. Ahora, j'ai été arrêté par la police. Et comme beaucoup des Espagnols, enfermé dans un camp réservé aux clandestins. Dans un grand hangar sur les quais. Entouré de barbelés et surveillé par la garde mobile. Après, on m'a amené, c'était un vrai camp de concentration. Après, on m'a amené dans deux autres camps, jusqu'à un camp appelé Colombe Béchard. Toujours à manier la pelle et la pioche, écrasant des pierres, surveillé par des gardiens parmi lesquels il avait des nazis. Un jour, j'ai laissé tomber une brouette chargée de pierres contre un de ces chefs allemands qui était un peu plus bas, un type d'une grande cruauté. Il n'a pas survécu. Con la barba de Carranza. Voy a hacer una toquilla para ponerse el sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana. J'ai passé 3 mois et demi dans la Légion de Pétain. Maréchal, donc voilà. Les officiers français disaient qu'on était des sauvages. C'est vrai que quand un officier ne nous plaisait pas, on lui rendait la vie impossible. On n'obéissait pas à ses ordres. Mais pourtant, l'éclair, le capitaine Drone, et surtout le colonel Putz, ont gagné notre sympathie. C'était des gens qui nous comprenaient et qui assuraient qu'ils nous aideraient à lutter contre Franco. On embarquait à Merzel-Kébir en Algérie en mai 1944. À notre arrivée en Angleterre, les gens nous sont très bien reçus. Tout le monde nous traitait bien. Les Anglais sympathisaient avec les Espagnols et les Anglaises préféraient toujours danser avec nous. Avions. C'était au-dessous de nous, nous passaient des nuées des avions. C'était impossible de les compter parce qu'il y avait des milliers. En les regardant, on se disait, ça y est! Mais on ne savait pas où ça se passerait, ni à quelle heure. Que los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que affrontait les Allemands toujours en première ligne. On les affrontait dans toute la Normandie, à Alençon,
Allez coucher, jusqu'à Paris. Ensuite, Alsace, Berchtesgaden. C'était une guerre très dure. On a perdu beaucoup de compagnons, mais on nous a jamais fait reculer. Le général Leclerc nous avait envoyé à la porte de la cathédrale d'Alençon. On s'est installé quand un jeune curé arrivait, très excité, qui criait que les Allemands mettaient le feu à son église et qui nous demandait de l'aide. Un officier a dit, allez, on va l'aider. L'église était en feu. Et le curé nous a dit que les Allemands s'étaient réfugiés dans un château voisin. On est allé les chercher. La bataille était très courte. Ils se sont tous rendus. Ensuite, c'était un peu difficile avec les curés. Parce qu'ils voulaient les tuer tous pour avoir brûlé son église. Il a fallu lui enlever la mitraillette qu'il avait prise. Un officier lui a dit, monsieur le curé, ce n'est pas votre travail. Ces hommes sont notre prisonnier et on les amène avec nous. À la Bastille, on voit passer les Espagnols. Debout sur les autres chenilles, on voit passer qui ça, les Espagnols, où ça, à la Bastille. Quand le soleil brille au cœur du mois d'août, génie de la Bastille nous fait ses yeux doux. Tout Paris se promène au bout de l'arsenal, la nouvelle s'amène pour ouvrir le bal. À la Bastille, si on voit passer les Espagnols, debout sur les autres chenilles, on voit passer qui ça, les Espagnols, où ça, à la Bastille. Des Français par milliers, des côtes à l'île de France, ont croisé du regard ces étranges amis. Il faudra bien un jour crier dans le silence qu'un nuage espagnol a libéré Paris. Avec un chant républicain, l'Espagne enfuit les catacombes, un drapeau noir, un peu carmin, une espérance vagabonde, avec son casque américain, on l'a pris pour le nouveau monde, portant l'espoir au monde ancien, quand de